Salut tous les amis, c'est Rire Dan. Voilà, j'ai changé de pseudo. C'est de la merde. Mais en même temps, je sais pas quoi mettre comme pseudo, donc si vous avez des idées, je suis preneur dans les commentaires. Donc voilà, voilà, voilà. Donc on va faire le deuxième épisode d'anecdotes. Et aujourd'hui, on va voir la Shulker Box. La Shulker Box. Waouh. Pardon, c'est nul. Donc, s'il y a un trou en dessous de cette dernière, quand je dis de cette dernière, ça veut dire la shulker box, mais j'aime bien dire de cette dernière parce que ça fait plus intelligent. Tu te calmes, s'il te plaît. Par contre, j'aurais bien voulu avoir une musique de son, une musique de fond. Ouais, une musique de son, c'est quoi ce bordel? Ça n'existe pas. Merci top 10 de me contredire. Bon, maintenant retourne vivre dans ta taupinière et laisse-moi présenter mon passage secret. Voilà. Tout simplement. Comme ceci. Et on passe à travers. Bon, bien évidemment, il faut être au centre du bloc. Hein. Voilà. Et on passe à travers. C'est magique. Donc j'aurais bien aimé avoir une musique de fond, pas de son de fond. Mais malheureusement, si j'en ai une, des fois mon micro se coupe. Voilà. Enfin, c'est pas qu'il se coupe, mais c'est que du coup, il y a beaucoup de sons en même temps. Ce qui fait que ça, on entend moins mon micro, et voilà. Bref, donc j'ai jamais en œuvre parce que j'ai déjà fait le record, sauf que j'avais la musique de son. Oui, la musique de son. En fond et du coup ça a fait du coup ce que j'ai dit, c'est à dire qu'on m'entendait pas des fois, donc voilà voilà, petit conseil si vous êtes un hater, j'ai un conseil pour vous les haters, vous cliquez une fois sur le pouce rouge puis une autre fois, ça mettra un méga pouce rouge. Tiens, comme par exemple moi sur top 10 là, vu qu'il vient de me pourrir la vie. Voilà, hein, j'ai fait un méga pouce rouge, ça vaut 10 pouces rouges, voilà, c'est ma vie, pardon, donc voilà, 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 c'est déjà fini, et du coup, vu que ça marche avec, oui, j'ai mis un clic, vu que ça marche avec les mobs, on peut faire un piège. Je l'ai déjà fait vers cet endroit. Sauf que je suis mort. Hein? Voilà. Du coup, je vais pas le refaire. Mais en gros, le schéma, c'est... Voilà le schéma. Donc le creeper, une fois que la shulker est ouverte, il tombe, vous faites un chemin pour qu'il puisse le rejoindre. Le Kiku qui est en train de prendre des objets dans la shulker. Et ensuite, il explose. Voilà. Je vais pas le refaire parce que, comme j'ai dit avant, j'ai déjà fait ça, deux explosions. Et du coup, j'ai la flemme. Voilà. Ah tiens, le temps de celui-là, c'est le même que le temps de l'autre. J'ai envie de dire normal. Ouais, bon, bah du coup, normal. Bon, en même temps, j'ai enlevé des trucs et j'en ai rajouté. Donc voilà, ça équilibre un peu la balance. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu, à partager cette vidéo, à vous abonner et à me dire comment je pourrais faire pour avoir une musique de fond sans que ça couvre mon micro. Et ainsi de suite, tout ce dont j'ai parlé dans cette vidéo. Voilà. Rappelez-moi de ne pas prendre trop de vidéos d'avance. Hein. Et n'hésitez pas à aller voir l'épisode précédent si vous voulez comprendre ceci. Voilà. Donc voilà, rappelez-moi de ne pas prendre trop d'avance parce que là, je suis le 29.05 au moment où je la tourne et elle sera sortie le 3.06. Ok, voilà, voilà, voilà. C'est ma vie.
Bon, bah je vais couper l'enregistrement hein, parce que du coup, je ne sais plus quoi raconter. Ça dure, il a duré plus longtemps que l'original. On peut s'applaudir. Bref, je vous dis à la prochaine car les anecdotes n'attendent pas. C'est toujours l'outro de Nozman. À la prochaine. Biloute!